Bonjour Olivier, depuis le début de ce confinement, les établissements publics et privés sont fermés. Comment se fait-il que l'ECR ait laissé ouvert le Collège Sainte-Marie? Alors, lorsque M. Ocagne est venu m'annoncer que le site de Sainte-Marie serait centre d'accueil pour les enfants de soignants, de personnel de sécurité, et cela durant tout le temps du confinement, il m'a demandé si on pouvait assurer les repas. Il m'a semblé évident de répondre positivement. Notre partenariat avec le SCR perdure depuis de longues années et les accompagner dans cette démarche bienveillante est une évidence. Notre petite participation à cette aide aux parents fortement sollicités, personnel soignant sécurité, a été appréciée par tous. Dans ces instants, l'entraide doit être le maître mot. Nous vivons ici, dans ces moments, avec les enfants, les encadrants, les membres de la direction, des instants de partage, d'échange et de convivialité jamais égalés. Comme tous mes collègues qui travaillent durant cette période compliquée, en milieu médicalisé, nous veillons à respecter les gestes barrières et se protéger les uns les autres. Didier Ocagne, le directeur de l'ESR à La Roche-sur-Foron. On me questionne sur la garde des enfants sur cette période de confinement en lien avec Mineurs Repas. Un mot, bravo sur ce partenariat, utile, bienveillant, excellent. Chapeau, c'est ce qu'on attend de notre prestataire, c'est de notre partenaire, plus qu'un prestataire. On est dans le partenariat. Merci pour cet échange, merci pour nos enfants, merci pour nos familles.